concernant les basses, qu'on appelle la walking bass, 4 basses par temps, donc on joue des noirs. La seule règle qu'on peut se fixer, à laquelle on peut déroger aussi, comme toutes les règles, mais lorsqu'on a une harmonie, si on a un fa par exemple, une mesure en fa, que la première basse soit un fa. Ça ne veut pas dire forcément que les 3 autres basses seront des notes choisies au hasard, mais en tout cas, si on indique le fa sur le premier temps, c'est très bien. Alors, sur le toucher de ton walking bass, on est souvent gêné parce que de toute façon, on ne peut en aucun cas avoir le son d'une contrebasse avec sa main gauche. Et le son d'une contrebasse en pizzicato a ceci d'avantageux qu'il est en même temps rond. On a une corde qui vibre dans une caisse, une rondeur chaleureuse, et on a un impact, on a une attaque. Alors comment restituer cela au piano, c'est-à-dire avec en même temps une attaque qui donne le côté rythmique, indispensable, et la rondeur, la chaleur de la contrebasse. C'est en jouant louré, c'est-à-dire une espèce d'intermédiaire, en tout cas, entre le staccato et le legato. C'est-à-dire que si on joue trop legato, un peu comme ce que tu as fait... Alors, heureusement, tu as un bon tempo. Donc, en réalité, ça n'était pas du yaourt. C'était quand même tout à fait audible, et le message rythmique était là. Mais tu pourrais essayer dans un premier temps de jouer carrément staccato pour voir ce que ça donne. Juste pour voir ce que ça donne. Ouais. Tu vas suggérer l'esprit de l'orchestre de Cornbesi parce que cet orchestre joue très aéré. Mmh. Et lorsqu'on joue très aéré, on pense immédiatement au solo elliptique de Cornbesi. Alors là, j'ai joué piqué. En réalité, la contrebasse ne joue jamais comme ça. Mais pour essayer de restituer l'esprit rythmique et aéré, on peut jouer finalement staccato en walking bass. Voilà. Seulement, on va être enfermé dans un certain style très aéré, très elliptique, comme celui que je viens de jouer. Et de toute façon, ce sera tout de même assez limité. On va suggérer le vrai walking bass par cette espèce d'artifice. Le rendu est une question de point de vue. C'est-à-dire que lorsque vous jouez comme ça, vous avez des gens qui collent, parce que ça leur évoque, s'ils ont cette culture, l'orchestre de Cornbesi, et le style elliptique, si vous voulez. Mais en réalité, vous avez une partie de l'auditoire qui ne va pas accrocher, parce que finalement, c'est trop piqué. Oui. Et si on pique à l'extrême, c'est presque ridicule. Vous voyez. Peu qu'on n'ait pas de swing ou qu'on en manque un petit peu, on est dans le ridicule du piqué. Voilà, alors donc, je suis plus partisan de jouer carrément staccato que complètement legato. Voilà, parce que legato, vous perdez complètement le rythme et vous faites du yaourt. Mais c'est personnel parce que vous vous apercevez que ça passe aussi pour d'autres raisons. Donc c'est une question d'écoute et de point de vue, et en réalité ce qu'il faudrait essayer de trouver comme solution optimale, c'est un toucher entre les deux, comme un toucher louré. Mais ce toucher-là prend beaucoup d'énergie. L'idéal pour avoir ce son-là, c'est de jouer des doubles basses. Voilà, parce qu'on l'a automatiquement. Thank you.
plus facile d'obtenir cet effet. Mais vous avez d'autres artifices à votre disposition pour donner cette illusion de walking bass à la contrebasse. D'autres artifices, c'est par exemple d'utiliser une note avec le pouce qu'on jouera en anacrouse, donc une petite anticipation sur la mesure. 1, 2, 3, 4 et 1. C'est-à-dire on va démarrer sur le 4 et de la mesure précédente. On va avoir une note qui sera tenue à partir de ce 4 et qui sera tenue pendant toute la mesure. Alors 1, 2, 3, 4 et 1. 2, 3, 4 et 1. Et alors ça donne du lion à votre staccato. Vous avez votre staccato ici. Vous pouvez le faire aussi staccato que vous voulez. Donc c'est bien parce que vous suggérez la percussion, mais sans tomber dans le ridicule pour autant, parce que vous avez cette note tenue qui donne du lien au son, si vous voulez. Donc, par exemple, si vous êtes en do, vous faites le do avec le pouce, vous le tenez et vous faites toute votre figure avec les quatre autres doigts. Donc, do, mi, sol, la. L'autre mérite de cet artifice, c'est de pouvoir dégager des harmoniques. Vous avez un halo de son qui font vibrer en sympathie la note qui est tenue, puisque son étouffoir est levé, la corde, etc. On a vu ça. Alors, les résonances. Bon. Oui. Alors, finalement, ça compense un petit peu la pauvreté de votre indication harmonique. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne faites pas d'accord. Vous ne faites pas de voix centrale, de voix médium. Puisque vous n'avez que deux mains. Vous prenez la place de la contrebasse, donc vous ne pouvez pas faire... fais-moi un petit walking bass blues en do. La contrebasse, 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Vous voyez ce que je fais avec la main gauche? Voilà, c'est bien, merci. Je ne peux pas le faire quand je suis tout seul, puisque c'est la basse qui est assurée par la main gauche, donc elle ne peut plus assurer donc ce qu'on appelle les voicing aussi, les voix intermédiaires, qui sont faites à la main gauche, quand la main gauche est libérée des basses, et que c'est la contrebasse qui fait le walking bass. Donc si vous faites le walking bass en piano solo, vous ne pouvez pas faire les voicing, les voix médium intermédiaires, vous ne pouvez pas les faire. Et donc cette petite note jouée en anacrouse, qui va être tenue, elle va compenser un petit peu ce manque d'indication harmonique. Parce que lorsque je fais par exemple do, do, mi, sol, la, do, mi, sol, la. Comme je tiens mon do, au moment où je joue mi, sol, j'ai presque un accord entre le mi et le do, puis le sol et le do. Donc j'indique quand même mon do majeur. Alors bien sûr, je peux aussi faire plusieurs notes à la main droite pour donner l'indication harmonique. La main droite fournit tous les renseignements, en l'occurrence. Mais si je joue en note simple, ça va quand même sonner, parce que j'ai cette note. C'est sobre, mais c'est complet. Vous entendez qu'il ne manque rien. Mmh. Même si c'est très sobre, il ne manque rien. Oui, mais il faut donc que le jeu soit, au niveau de la puissance sonore, soit bien dosé par rapport... Ah, tout à fait. Il ne faut pas écraser avec la main droite, parce que sinon on n'entend pas. Donc c'est là où il faut... Exactement, ça c'est une très bonne remarque. Le dosage sonore entre les deux mains est important. Je ne vous l'avais pas encore dit, mais effectivement, parce que
Dans ce cas-là, puisqu'on est en train de faire une transcription d'orchestre en réalité, on évoque, même si on ne limite pas, mais on transcrit un peu et on l'évoque, de fait, un orchestre. Il faut donc avoir une écoute panoramique, c'est-à-dire en se disant, main gauche est la contrebasse, la note qui est tenue ici, sont les voix intermédiaires, donc ça pourrait être... ça remplace un petit peu une guitare qui égrène un accord ou un piano qui fait une voix intermédiaire. Et puis là, j'ai mon soliste avec la main droite. Et je peux aussi avoir ma section d'anche ou de cuivre. Et il faut jouer donc en conséquence. C'est-à-dire un petit peu comme si on était chef d'orchestre. Et il faut qu'on puisse entendre le bassiste. Par exemple, Cambisi disait, si vous n'entendez pas la guitare rythmique... qui jouait d'ailleurs les quatre temps avec le contrebassiste, il jouait comme ça. Voilà, Freddie Green. Si vous n'entendez pas la guitare, c'est que vous jouez trop fort. C'était une guitare acoustique. Oh. Voilà, alors quand vous avez dans un grand orchestre en même temps, dans un tutti, il faut quand même qu'on entende les basses, il faut quand même qu'on entende les voix intermédiaires de la guitare rythmique s'il y en a une. Et la plus forte raison, si elle joue acoustique, il y a des chances qu'on ne l'entende pas si on joue trop fort. Mais en réalité, ce sont souvent les batteurs qui jouent trop fort. Voilà. Alors, j'en reviens à ce que je disais. Merci pour la parenthèse, effectivement. Donc, il faut écouter beaucoup d'orchestres lorsqu'on joue comme ça. Il faut écouter des trios, des quartets, des ten-têtes et des big bands. Donc, il ne faut pas hésiter. Et se prendre un peu pour un orchestre. C'est d'ailleurs très excitant d'imaginer qu'on est soi-même un orchestre au piano, qu'on transcrit, voilà. Et on peut le faire avec des choses très simples comme ça. Autre artifice, alors, je vous ai parlé de cette note qu'on tient. On peut avoir également quelques croches qui viennent relancer. Alors ces croches-là, il ne faut pas en abuser, parce que plus on en fait, plus on risque, d'une part, oui, de lasser, et puis de sortir du côté... obsessionnel du tempo, on prend des risques, on prend le risque de se décaler et puis d'envoyer trop d'informations. Vous voyez, un bassiste qui joue comme ça, au bout d'un moment, on le renvoie. Hein. Parce que ça casse. Et oui. Hein. C'est chargé. En fait, c'est chargé. C'est-à-dire, soit on joue tout le temps comme ça, ce que font les organistes d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils font un walking bass de main gauche. Certains pianistes le font aussi. Donc là, on fait des croches tout le temps. On joue 8 croches. Donc ça n'est plus vraiment le walking bass, ou c'est un walking bass avec des petites croches, mais on les met systématiquement. Et alors là, ça se travaille, c'est-à-dire qu'il faut que les croches soient jouées moins fort que les noirs, qu'on sente bien que ce sont des notes intermédiaires, pour qu'on ne les entende plus, en fait. Et il faut qu'elles soient systématiques pour qu'on ne les entende plus. Qu'on entende tout le temps les noirs, des noirs relancés, en fait. Oui, parce qu'en fait, la main gauche, quand vous faites le walking bass, en fait, une main gauche qui est régulière, donc oui. Elle donne une espèce de bip, quoi, un soutien rythmique. Et en fait, vous pouvez, avec votre main droite, faire des contretemps, des syncopes. Exactement. Alors que si on entend systématiquement cette basse, tom, 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 donc on est dans une espèce de ternaire. Bon, oui. Et en fait, donc ce ternaire de la main gauche risque de manger éventuellement celui de la main droite. Quoi. Exactement, il a déjà mangé tout l'espace. Et voilà. Voilà. Et c'est ce que j'explique aussi à certains batteurs qui jouent ce qu'on appelle le shuffle. Alors, le shuffle consiste à jouer toutes les croches à la caisse claire. C'est-à-dire que sur un boogie, le batteur va donc jouer comme ça. Ce qui sont les 8 croches du boogie-woogie que l'on fait déjà avec la main gauche du piano. Donc quel c'est intérêt... Oui, c'est un doublon. Quel intérêt de jouer boogie au piano, c'est-à-dire 8 croches au piano, si on a un batteur qui double ça à la caisse claire. Voilà, alors donc c'est une figure qui peut être employée par un batteur, mais dans un autre contexte. Et ce que je demande au batteur, lorsqu'il m'accompagne en boogie-woogie, si je fais 8 croches à la main gauche, qui est tout de même la définition du boogie 9 fois sur 10, si le batteur fait un doublon, il va tuer l'effet. D'autant que le swing qu'il faut imprimer à ces 8 croches,
ne consiste pas à jouer ternaire systématiquement, un pur ternaire. C'est quelque chose entre le binaire et le ternaire. Et si le batteur a son swing à lui et que j'ai le mien, on va avoir des croches claudiquantes. Elles ne vont même pas coïncider. Et ça va s'entendre. Et en plus, on va avoir ça tous les dixièmes de seconde. C'est insupportable. Donc il faut absolument qu'il y en ait un des deux qui aère. On a la même chose avec les contrebassistes. Lorsque vous faites un petit arrangement d'orchestre, le guitariste qui va jouer ce qu'on appelle une rolling bass, qui n'est pas la vraie basse, qui est une basse qui va se jouer dans les médiums basses. Dans ces cas-là, si le bassiste ou le contrebassiste fait la même chose, il faut un travail de complicité. Ça peut se faire, mais disons plus le tempo est rapide, moins ça vaut le coup. Il vaut mieux que le contrebassiste, vous savez que la contrebasse c'est un instrument qui est lourd, il vaut mieux pas jouer trop vite avec une contrebasse, il vaut mieux jouer bien rond et bien puissant et bien profond pour que l'orchestre entende l'indication qu'on lui donne. Si on donne trop d'indications, qu'on joue trop vite des petites notes qui s'entendent pas, on n'est pas efficace. C'est pas le rôle de la basse. En tout cas de la contrebasse. Maintenant, la basse électrique donne aussi d'autres possibilités. Qu'un contrebassiste peut aussi avoir en travaillant beaucoup, mais en réalité, au départ, il faut viser l'efficacité. Le contrebassiste va plutôt jouer ceci. Vous voyez ? Donc une note sur 4 ou une note sur 2. Et c'est ce qui permet de jouer en contraste, d'aérer, et finalement qu'on entende tout et que tout se complète. Alors que quand tout se double, c'est assez infernal. On a le même rapport, le même risque de doublon entre le contrebassiste et le guitariste qui fait sa rolling bass, qu'entre le pianiste qui fait sa basse de boogie et le batteur qui ferait un shuffle. Alors, donc rajouter une croche de temps en temps pour relancer. Alors, en réalité, on va relancer comme le ferait un batteur, c'est-à-dire souvent en fin de mesure. Ou bien... Ça, c'est la relance type. Maintenant, on peut relancer un petit peu quand on veut, il faut le sentir, mais il faut que ce soit justifié musicalement. Et alors, quel est le rôle de cette relance? Entre autres, de rappeler qu'on est dans du swing. Voilà. C'est-à-dire jouer une croche de temps en temps, c'est finalement rappeler un petit peu la règle du jeu. Quelle est la subdivision du temps? Est-ce qu'elle est binaire? Est-ce qu'elle est ternaire? Est-ce qu'elle est complètement binaire? Est-ce qu'elle est complètement ternaire? Quel est l'esprit du swing? Où est-ce qu'on met le curseur entre le binaire et le ternaire? Est-ce qu'on le met exactement au milieu? Suivant les terroirs, ça change. Et donc, ces relances et ces croches qui sont jouées isolément sont en fait des indications très importantes sur l'esprit du jeu. Vous avez la même chose, le même phénomène sur certains ragtime, appelés novelty, où on introduit un zeste de swing en jouant une figure en triolet. Le rôle du triolet joué isolément, du triolet sporadique, c'est un peu le même. C'est-à-dire, comment jouerait-on les triolets, comment jouerait-on les croches? Le rôle du triolet, c'est de dire, nous sommes tout de même dans du ternaire. C'est-à-dire, au lieu de jouer... Vous voyez... Au lieu de jouer des triolets tout le temps, on va jouer... Le rôle du triolet, c'est de rappeler qu'on tend plutôt vers le ternaire, voilà. Et en même temps, ça assouplit aussi un peu le discours, c'est-à-dire que le triolet, ce qui est très amusant rythmiquement, c'est une note supplémentaire par rapport au binaire, et en fait, quand on entend un triolet, on a toujours une impression de souplesse qui aère un petit peu aussi le côté systématique du retour de la croche. Tout à fait. On a cette espèce d'effet qui est joué une fois ou deux fois, et qui va suggérer la souplesse pour la suite, même si on ne le rejoue pas. Et puis ça donne aussi une impression de virtuosité. Exactement. Hein, parce que c'est une forme d'ornement en réalité. Le triolet joue le même rôle que la trille dans la musique baroque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir un ornement, un effet. Ou un mordant. Oui, exactement, par exemple. Ou un mordant, voilà. Qui donne un effet de virtuosité, mais en même temps qui n'est pas lourd, puisqu'il est joué sporadiquement. Un peu comme si vous disiez, vous savez, on est capable de le faire, mais on va pas vous saouler avec ça. Voilà. Mais c'est très subtil.